L'idée, c'était de proposer donc à ces porteurs de projets, à ces entrepreneurs, de venir découvrir le territoire un peu autrement et de constituer autour de leur projet une équipe pour les accompagner à concrétiser donc à la fois leur développement d'entreprise, quand c'est une entreprise déjà existante, ou alors leur projet sur le territoire de la Haute-Ariège avec le soutien des professionnels de l'accompagnement d'entreprise, mais aussi avec des industriels et des entrepreneurs déjà installés. Alors c'est un plaisir de partager, d'expliquer, communiquer sur ce qui est le fil rouge de ma vie, qui est l'homme, la montagne, et comment l'homme a réussi à travailler, à se développer, à vivre dans des territoires de montagne, ici dans les Pyrénées, comme dans l'Himalaya ou comme dans la Cordillère des Andes. C'est un sujet qui me passionne, que je vis, que j'ai voulu vivre, et c'est toute la raison qui fait que je suis ici, faire ce métier. Le fait d'être parrain de cette édition, de cette première édition à Haute-Ariège est symbolique pour nous puisque on est en plein cœur des installations hydroélectriques EDF en Ariège, dans un territoire qui est à proximité de nos ouvrages, et donc d'essayer de contribuer au développement économique de ce territoire à proximité des centrales et des barrages, c'est un enjeu majeur pour nous, pour le développement du tissu économique local à côté de nous, en dehors du groupe EDF, mais également pour nous et pour nos enjeux internes d'attractivité des emplois et du territoire. Alors, Initiative Ariège est là pour répondre à tous les besoins des porteurs de projets partout sur le territoire. Aujourd'hui, c'est 9 nouveaux projets qui nous sont présentés. Donc on va étudier chacun d'entre eux, qui sont tous différents, et qui sont tous riches. On a pu donc apercevoir que certains avaient donc des besoins d'investissement assez importants. Et à propos donc de ces besoins, on va pouvoir jouer un rôle en injectant donc du financement. Alors très concrètement, ce sont des prêts à la personne sous forme de prêts d'honneur qui vont venir conforter les apports et qui vont permettre notamment de gagner la confiance d'autres financeurs tels que les banques. Donc nous sommes tout à fait prêts pour les examiner de plus en profondeur. On a besoin de territoires qui soient accueillants, on a besoin de territoires qui créent de la dynamique, qui créent de l'entreprise. Et l'Ariège est quand même un territoire d'accueil sur toutes les activités. Et moi, ce lien avec cette jeunesse, ces porteurs de projets, ça m'énergise. Je trouve ça intéressant, je trouve ça important, je trouve ça essentiel. Et puis c'est aussi notre mission quand on a des cheveux blancs, qu'on a eu un parcours entrepreneurial. On n'a pas de leçons à donner, il faut rester très humble. Mais peut-être que déjà qu'on sait les erreurs qu'il ne faut pas faire, ça c'est la moindre des choses. Et je crois beaucoup justement à ce partage, à cet accompagnement. Et le club entreprise que je préside avec le boss d'EDF, qui a une certaine ampleur aujourd'hui dans la Haute-Ariège, il a vraiment cette mission aussi d'accompagnement des chefs d'entreprise qui arrivent sur le territoire. Sur les 3 lauréats, de cette première édition ont une composante énergétique, que ce soit de l'hydrogène, que ce soit de la récupération de chaleur. On est sur une thématique de l'énergie, donc c'est encore plus symbolique pour nous d'accompagner des projets, des porteurs de projets, dont une des finalités est la question de la gestion de l'énergie ici sur ce territoire en Haute-Ariège. Alors en fait, on a l'impression que c'est une soirée de remise de prix, donc une soirée finale. Mais en fait, c'est plutôt une soirée de début, donc d'accompagnement, puisque en fait, chaque porteur de projet, chaque entreprise repart ce soir avec un parrain, un accompagnant de l'agence et une structure qui va les accompagner justement donc dans tout le processus ou du développement quand c'est une entreprise déjà existante et de la création d'entreprise et de l'installation et de l'implantation quand c'est des porteurs de projet ou un porteur de projet. Chaque expérience est source d'inspiration. Et donc c'est vrai qu'on dans notre organisation, je pense que la proximité avec les entrepreneurs, elle est importante, elle est à tisser, elle est à construire. Donc des journées comme aujourd'hui, elles marquent parce qu'elles permettent vraiment de mettre en place de la confiance. Et c'est vrai que dans notre institution, donc il y a une organisation pour les prises de décision à travers des comités d'agrément, mais on s'inspire notamment de ces journées pour faire que nos comités soient toujours plus proches des besoins des porteurs et vécu du meilleure manière que ce soit, dans une ambiance notamment conviviale. Et on va s'inspirer de ce type de journée.